Et tiens, il vient de passer à Brice Denis. Moi, je faisais Chris Denis. Enfin bref. Bienvenue sur Téléternel du CGT. Ça veut dire Conseil Galactique Temporel. On ne dit plus la CGT, on dit le CGT. Ce samedi 14, 2x7. Moi aussi, c'est tous les samedis qui sont multiples de 7. Samedi 14 octobre. De M17 dans l'espace-temps, un instant d'espace-temps. Hier soir, ils étaient nombreux les contrôleurs. Tu payes pas le tramway, c'est que t'as pas de sous. Ça sert à rien de mettre des PV, faut complètement con. Il y a tout qui marche à l'envers sur cette planète. Bon. Donc samedi 14, ça veut dire 2 x 7. Ok. Donc ça fait 3 mois et 14 jours que je suis chef d'état d'âme. Et qu'il n'y a toujours que de la merde à la télé, que c'est de pire en pire et que le niveau il est de plus en plus bas, le niveau de l'esprit. Bienvenue dans la fabrique de Mongol, dans la fabrique de Trizo sous cacheton. Un chef d'état d'âme, c'est pas facile. Gardien de la paix, dans l'esprit. Chris Denis, franchement, c'est pas votre loge. Résiste, c'est la survie. Pourquoi il n'y en a pas un petit peu pour tout le monde? Pourquoi il n'y a que des enculés sur cette planète? J'aime bien ce qui brille, les trucs à poufias, hein. Mais l'esprit, c'est pas ça. Il y a un problème technique. Pourquoi vous bougiez tout sur cette putain de planète? C'était un paradis, vous en faites un enfer. On est dans le feuilleton V ou quoi? De toute façon, l'esprit vient pas de la Terre. C'est comme ça que tu reconnais un bon esprit. T'as qu'à leur bourrer tous la gueule. Ceux qui sont méchants quand ils sont bourrés, bah c'est ceux qui sont invités d'un mauvais esprit. Par contre, c'est l'État qui fait des tueurs avec leurs cachetons de merde. Tu vois, le mec qui a tombé l'avion, il était sous cacheton. Le mec qui a crabouillé tout le monde, il était sous cacheton. De toute façon, si on faisait une prise de sang à chaque mec qui fait des conneries, tu verras qu'il est sous cacheton. Parce que sûr et certain, 99% des cas. Voilà, voilà, voilà. C'est l'État qui finance le terrorisme. Vous rendez pas compte que dans l'esprit le temps et l'argent n'existent pas. On devrait être agent de maintenance de planète, arrêter les saloperies chimiques et tous les trucs pour faire du rendement, pour faire du pognon. C'est pas que c'est des trucs de feuge, mais bénéfice, mon fils. Il y en a marre. Déjà une heure de télé par jour, pas plus. C'est ça qui rend goy, la pollution électromagnétique. Où est l'âme? La trilogie de quintessence. C'est ça que je suis au 35. Entre le 35 et le 37. L'année prochaine, si je survis, j'aurai 7 x 7, ça fait 49. Là, j'ai eu 48. Ça fait 4 x 7, c'est 28, 28, 6. Mais 4 x 12 en an terrestre, ça c'est votre unité de mesure. Tu vois? Comment tu veux que je vous explique? Vous ne comprenez jamais rien. C'est mathématique quantique. Quand je dis que je suis alcoologue, je suis professeur en alcoologie, je voyage dans l'espace-temps. Là, je reviens du vrai songe du matin. Oh là là, c'était costaud encore. Il y en avait du monde. Mais pas qu'il n'y aura plus d'humanité. Déjà, il n'y en a déjà plus. Mais pas que. Ils ont numérisé vos âmes avec leurs machines de merde. Ces ravages de Barjavel. Attends la version de polarité, tu vas voir comment ça va faire.
j'espère que je verrai ça. Moi c'était à la... c'était pas Nécelle, une insurrection pacifique. Bon, maintenant tout le monde dehors, tous les escrocs en prison, c'est tous les gens qui nous gouvernent en fait. Ils n'ont rien à foutre de personne, ils veulent du pognon, c'est tout. Ça c'est des cerveaux primitifs, reptiliens. Bon, pas compliqué. Hein. Comment je vais vous dire ça? Comment je pourrais bien vous expliquer la conclusion? Bien vous expliquer la conclusion. En fait, je suis gardien d'un truc. J'avais 11 ans déjà, j'écrivais dans les méandres du temple de la synagogue sacrée. Je ne savais pas pourquoi j'écrivais ça. À 11 ans, je veux savoir. J'ai toujours su que j'étais pas comme les autres. Depuis tout petit. Depuis que j'avais reçu les sentiments. Pour expliquer ça, il faut comprendre le saut des sept Yvan Panin, il faut comprendre la science de l'éther, l'interféromètre de Michelson, les diffractions de Fresnel, tous les machins comme ça. Il faut capter. Vous n'en avez pas marre de vivre dans un mensonge collectif. Tout est basé sur l'argent, qui est donc le diable. De la manière qu'il est employé, sous la table, 20 000 au-dessus, 20 000 en dessous. À la 89-10, morceau d'enveloppe de black qu'il y avait. J'étais un attaché ministériel, s'il te plaît. C'était Mitterrand Rocard. Le 27 du mois ou quoi. Ça montait jusqu'au plafond, les enveloppes de black. On achète ton silence, voilà. On achète vos silences. Peu importe le silence. Pom, 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 pom. Oh, Momo. Tu vois le truc? T'as pas de cuisine. Hein? T'as pas de cuisine, mais... Attends, tu vas passer à la télé, toi. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Et oui, là, en direct. J'ai réussi à dormir. Samedi 14.